Compatriotes haïtiens fraîchement, haïtiens tout partout, dans quatre coins pays d'Haïti, dans quatre coins monde là, gros coup de chapeau pour nous toutes. C'est un grand plaisir pour me là avec aujourd'hui encore. N'a continuer porter information pour vous, n'a continuer brasser l'idée sous tout petit détail qui domine actualité. Haïtiens fraîchement, j'aime toujours aimer dire le peuple cap goumé pas jamais perdu bataille. Nous ka mise nan route, nous ka tombe, nous ka kilbite, mais lor kon sorle, objectif final lan nap atteni quand même. Quelques jours après installation conseil présidentiel, après installation couleur cette tête là, Haïtien Frèchèm, peuple anament, moun nodès, yo déclaré conseil présidentiel lan la guerre. C'est pas toutefois nan fon révolution pour besoin gros âme fan froid. Pour besoin manchette, pour nous couper, pour nous lâcher. Yo simple idée, ka germé, yon mouvement et mouvement si la, li ka abouti à yon véritable révolution. Ki sa bagay lan ye, ki sa klago marché pressé par bon côté conseil présidentiel lan, ki déjà tanmé pour yon poser action, ou pral genye tout détail yo nan bon ti marmite. Haïti, c'est premier pays noir. Qui rive sorti tête li en bas griffe esclavage qui t'a pral tracé un exemple pour tout reste pays dans monde là. Et bien journée jodi yon frère africain nou yo pas décidé fermer bouche yo dans ça qui passé dans pays d'Haïti. Et journée jodi yon nous même haïtiens qui vivent en Haïti par A plus B nous pral comprendre mouvement de stabilisation ça que pays occidentaux yo mette créé forgé dans pays d'Haïti. C'est qui réelle motivation qui ça tout bon qui caché derrière. Nous allons gagner tout détail dans Boti Marmite. Et comme d'habitude, professeur Michel Soukor, il est toujours venu là pour nous faire un petit rappel sur l'histoire du pays nous et calmer chaque haïtien sous responsabilité nous gagner dans la bataille contre le système. Jodi an la, nous portons une émission tout à fait chargée pour vous. Déjà, m'a invité ou même qui fait tomber sur channel là, pas hésiter. Abonnez, activez la cloche de notification et comme ça, vous prêtez connecté avec nous ou pas prêtez aucune non vidéo de formation n'a pas gagné pour nous poster. Compatriotes haïtiens fraîchement, dans dernier temps, Haïti est dans une situation difficile. En plus, question à poser, qui ça qui a fait, qui ça qui doit faire et qui ça nous-mêmes comme haïtiens, que dans Haïti, que dans la diaspora, qui ça nous a fait pour nous retirer Haïti côté lié là. Et côté pays d'Haïti, Haïti fraîchem, pas caché dit nous, eh bien, c'est mettez nous là. C'est déposer nous là. Nous gon côté nous, nous gon côté nous sorti pour nous arriver côté nous yé journée jodi an là. Quitter haïtien mettez tête ensemble pour construire canal ça, pour construire symbole ça, pour yo te faire unité ça, pour yo te faire solidarité ça. Li montre yon l'autre fois encore, le nou vle fè grand bagay, le nou vle fè yon bagay pou peyi nou, le nou vle trase yon exemple et bay yon leçon nou ka fèl. Rappele ou jounen jodi an, République Dominicaine pa gen problème avec peyi d'Haïti, pa gen problème avec paysan plein Bamariba ou yo pou dlo réellement non. Yo gen problème avec nous parce que nous défier yo. Yo gen problème avec nous parce que nous défier autorité. Nous défions l'ordre établi. Côté yote dit, c'est la caillou pour nous venir acheter manger. C'est manger malpropre la caillou pour nous consommer. C'est tétenade la caillou, ça yon voye ba nous, c'est avec pour nous contenter nous. Et l'on yon rive, ouais, ça nous réalise. Paysan plein Bamariba ou yo, qui jouen de l'eau, kap pouze jardin yo, route agricole kap construit, kap fait. Non Bamariba ou non Romariba ou, eh bien tête dominicain chaud, l'état dominicain senti yo paniqué. Et si nous continuons sous même lancer ça, au deuxième canal, au troisième canal, au cinquième, au dixième, au vingtième, au centième canal, eh bien oui, réellement il y a bien de quoi pour yo inquiéter. C'est pas ni ministre agriculture qui te ba yon inquiétude. C'est pas ni ministre environnement qui te ba une inquiétude, c'est pas ni premier ministre qui te ba une inquiétude, c'est pas ni autorité en Haïti qui te ba une inquiétude, mais c'est peuple souverain qui te mette tête ensemble pour arriver lever défi ça, pour nous arriver faire symbole ça. Et journée jodi on peuple haïtien côté Haïti est là, m'pa cacher dit nous, c'est tout yon parcours, c'est tout yon schéma
C'est tout un plan qui mettait campé pour déstabiliser nous. C'est tout un plan qui mettait campé pour finir avec nous. Et en pile fois, là, nous tendez des pays occidentaux, tant que les États-Unis, la France, le Canada, et toute l'autre acolyte, ils ont dit au problème haïtien, solution haïtienne, même genre avec solution importée, ça a eu poté par nous, conseil présidentiel CARICOM. Eh bien, il faut que moi, nous, c'est une façon pour couvrir la culpabilité. Et le professeur Michel Soukan, il va expliquer nous le plus bien par rapport avec l'échec en Haïti, par rapport avec mauvaise décision yon pren pour peuple haïtien qui conduit nous là. Dès chaque décision acteur politique yon pren en Haïti, dès chaque décision dirigeant haïtien yon pren, que le président, premier ministre, ministre, etc. Gardez pour est-ce que le pa gon ti douèt américain la dan. Gardez pour est-ce que le pa gen douèt la France trempé. Est-ce que le pa gen douèt et République Dominicaine trempé. Est-ce que le pa gen douèt États-Unis. Est-ce que le pa gen douèt Canada trempé la dan. Moun kap finance ya, c'est li kap commande. Nous pas oublier adage ça. Eh bien oui, compatriotes haïtien frèchèm, pour l'histoire et pour la vérité, pays d'Haïti, peuple haïtien n'a pas ton fardeau. Et nèg yo rive pour yo bien mettre plan à exécution, faudrait-il que yo te assassiné président Jovenel Moïse. Assassiner un président, c'est assassiner un pays, c'est assassiner un peuple. Compatriotes haïtiens frèchèm, nous gagnons Kemi Seba. Kemi Seba qui a bataille contre le Francafrique, c'est comme si ingérant pays la France dans continent africain, influence pays la France sous continent africain. Et c'est ça que fait après journée aujourd'hui, pays Niger, Burkina Faso, Mali, ak an pil lot encore, yo décidé camper pour yo combattre Francafrique là. Yo décidé camper pour yo repousser influence et pays la France gagner sous continent africain. Journée jodi haïtien qui côté nous camper. Est-ce que n'a bataille tout même genre? Est-ce que nous paraît tout pour nous même genre? Parce que pas oublier, nous c'est exemple. Nous tracer exemple et si nous arrivons à tracer exemple pour nous montrer, pour nous ouvrir route pour ne pas quitter notre pays pour nous prendre l'indépendance, pour qu'il s'ajoute aujourd'hui, nous ne pouvons pas retourner vers l'Afrique. Pour nous demander aux frères africains, nous avons un coup de main. Pour nous demander aux frères africains, nous avons un coup de main. Le pays qui arrive à sortir en bas griffe la France, en bas influence, en bas domination la France. Pour qu'il ne pouvons pas approcher, chercher une formule là. Pour nous même tout, pour nous faire bataille contre le système nan, et remettre campé yon lot Haïti. Compatriotes haïtiens frèchèm, nous prenons le son ensemble. Nous prenons faire bataille ensemble, puisque nous connaissons déjà, nous pas qu'à quitter Haïti, j'en li là. On nous attendait, et yon coup d'intervention que Kemi Seba li même, li ta fait sous pays d'Haïti. On tue un président, on tue un pays. C'est important de le dire. Même si Haïti est immortel et Haïti se relèvera. Il y a tellement de choses à dire parce qu'on ne peut pas comprendre la situation présente d'Haïti si on n'est pas dans une dynamique de chercher à comprendre la genèse d'Haïti. Haïti a été proclamé aîné après une résistance noire extraordinaire. On peut citer des géants, Boukman Duty, Félicité, ces géants de la cérémonie du bois caïman sur lesquels il y aurait tant à dire. On peut citer évidemment Toussaint Louverture et surtout Jean-Jacques Dessalines. Des géants qui ont fait en sorte que Haïti est devenu le symbole de la dignité africaine et afro-diasporique dans le monde. Ils ont été les premiers au 19e siècle à dire avec autant de dignité à l'oppresseur occidental et plus particulièrement à l'oppresseur français. L'oppression est terminée. Et notre peuple a décidé de se lever. Rien que pour cela, les Africains du monde entier, du plus foncé au plus clair, quelle que soit notre classe sociale, quelle que soit notre orientation politique, quelle que soit notre religion, quel que soit notre sexe, nous avons une dette éternelle vis-à-vis d'Haïti. Et ça, je tiens à le préciser devant caméra.
C'est ce crachat aux figures de la prédation économique matérialisée par l'impérialisme occidental et plus particulièrement l'impérialisme français qui a fait que jamais, depuis son indépendance, depuis la proclamation de cette première république noire, Haïti n'a été tranquille parce que l'Occident a tout fait pour que ce symbole de l'ex-esclave rebelle redevenu libre ne puisse pas contaminer les autres colonies françaises au sein de nos peuples et les autres colonies occidentales de manière générale. Il y a une sorte de consortium occidental pour faire en sorte de maintenir Haïti la tête sous l'eau. Parce qu'en maintenant Haïti la tête sous l'eau, quand d'autres nations songent à l'indépendance, on leur rappelle rapidement, vous voulez ressembler à Haïti, vous êtes prêts à en payer le prix. Et il suffit de faire le tour des Caraïbes aujourd'hui, Martinique, malheureusement Guadeloupe, Guyane, peuple que j'aime en perdre l'esprit, toutes ces entités que je viens de citer, quand vous leur donnez l'exemple d'Haïti, personne ne veut être indépendant. C'est ça la réalité. Parce que l'impérialisme français vous dit, le prix à payer, c'est d'être instable de manière perpétuelle comme Haïti. Mais Haïti n'est pas instable dans son ADN politique. Haïti est déstabilisé continuellement. C'est important de le rappeler. Il est déstabilisé par des forces extérieures qui ont des relais aussi à l'intérieur. Le relais à l'intérieur en termes de déstabilisation occidentale, ce sont ces familles, ces oligarchies. Syro-libanaises d'un côté. Et aussi une classe, même si je n'aime pas moi le... J'ai toujours dit, et je reprends le propos de Malcolm, du plus foncé au plus clair, notre peuple est un et indivisible. C'est important de le dire. Mais il faut dire aussi que pendant la situation esclavagiste jusqu'à aujourd'hui, une caste de ce que l'on appelle de manière impropre les mulâtres, je n'aime pas ce terme, bourgeoise, a capté les richesses, les ressources du pays, d'accord, les a capturées pendant que les trois quarts de la population vivent en dessous du seuil de pauvreté. Et donc la conjonction de ces forces, les familles syro-libanaises d'un côté et la caste entre guillemets mulâtre de l'autre, a fait en sorte que ces deux entités sont devenues les oligarchies qui contrôlaient le pays. Et vous ne pouviez pas être président sans être dans la main de ces familles. Jovenel Moïse, parce qu'il faut qu'on en vienne à ce dernier, à la base est un entrepreneur agricole. Quelqu'un qui a pour projet, qui avait pour projet, paix à son âme, d'assainir l'eau. Quelqu'un qui avait pour projet de travailler la terre et de faire en sorte que cette terre, dans un pays pauvre, ou du moins appauvri comme Haïti, puisse nourrir toute la population. Parce qu'il ne faut pas qu'on se trompe. Si le maître esclavagiste a pris cette terre, a tué les populations autochtones, a déporté notre peuple pour l'emmener là-bas, c'est parce que ces terres étaient porteuses de ressources. Il faut qu'on arrête de nous faire croire que Haïti n'a rien, ceci. Ça, ce sont des inepties. C'est faux. Si Haïti n'avait rien, il n'y aurait pas eu de déportation et l'oppresseur français n'aurait pas imposé l'esclavage là-bas. Et ça, Jovenel Moïse et plein d'autres l'ont compris. Donc Jovenel Moïse, qu'on a fini par surnommer l'homme de la banane parce que, à force de travailler la terre, à force d'en faire ressortir les trésors qui permettaient de nourrir une partie de la population, Jovenel Moïse avait acquis un certain succès d'estime auprès du bas-peuple. C'est à partir de là que Michel Martelly a dit à Jovenel Moïse, tu seras le nouveau candidat du parti présidentiel. Mais le problème, c'est que lorsque Jovenel Moïse accepte cette proposition, Jovenel Moïse, qu'il le veuille ou pas, accepte les tenants et les aboutissants. Parce qu'on ne devient pas président d'Haïti sans être capable d'accepter les financements des oligarchies qui volent les ressources d'Haïti. Les deux facettes de l'oligarchie prédatrice financière que nous avions cité précédemment. Et ce faisant donc, Jovenel Moïse se fait financer sa campagne et devient président de la République d'Haïti. Mais lorsqu'il arrive au pouvoir, Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption. Mais malheureusement, il y a un bug dans la matrice, un bug dans la réflexion. Puisque Jovenel Moïse déclare qu'il veut lutter contre la corruption, alors que c'est malheureusement ces lobbies de la corruption qui ont contribué à faire de lui le président. Et donc dès lors, dès le départ, dès qu'il a dit qu'il voulait lutter contre la corruption, Jovenel Moïse a vu son régime être, et ses actions politiques être parasitées. La population qui a cru au départ à Jovenel Moïse
a vu en plus de cela le scandale, parce qu'il faut rajouter à tout ce récit le scandale de Petrocaribe où Hugo Chavez a financé Haïti, d'accord, pour que ces derniers puissent sortir du chaos dans lequel ils étaient. Il y a d'autres pays aussi qui ont connu ces financements, et malheureusement ces financements, ces fonds ont été détournés encore une fois par les familles prédatrices et des politiciens qui leur sont soumis, corrompus, que nous avions cités précédemment. Ces différents facteurs ont fait que Jovenel Moïse a été vu comme un symbole de la corruption par la population. Moi-même, lors de mes divers voyages à Haïti, lors des diverses manifestations, la population disait qu'il n'en voulait plus de la classe politique dans son ensemble, y compris de Jovenel Moïse. Il faut qu'on soit capable de le dire. À cela, lors des manifestations, s'est rajouté le facteur des gangs qui sont venus réprimer justement les manifestants qui luttaient pour de la justice sociale, qui luttaient pour la fin de la corruption. Une partie de la population, il faut aussi le dire, était manipulée par une opposition qui elle-même était financée par les diverses familles qui voulaient, plus que jamais, rendre ingouvernable Haïti pour pousser Jovenel Moïse à se taire sur les questions de la corruption. Donc Jovenel Moïse, qui déclarait vouloir lutter contre un système, était vu par le peuple comme un garant de ce système. Parce que ce système avait tout fait pour rendre le pays ingouvernable de telle sorte que le peuple voit Jovenel Moïse comme la cible prioritaire. J'ai assisté aux manifestations et je peux vous assurer que le ras-le-bol de la population était légitime. Quand ils finissent par crever de faim, ils voient leur pays déstabilisé de A à Z, ils ne vont pas vous dire « oui, un tel dit qu'il veut, mais… » Non, ils vont tirer sur tout le monde, à juste titre malheureusement. Quand je dis tirer, c'est en termes de slogan et de revendication. On apprend par la suite que donc un certain monsieur Sanon, Christian Emmanuel Sanon, si je ne m'abuse, médecin haïtien qui vit à Miami, aurait engagé donc les mercenaires, ou une partie d'entre eux, pour au départ, soi-disant, assurer sa sécurité. L'objectif était de faire un coup d'État. Ils disent que le but était simplement de l'arrêter, monsieur Jovenel Moïse, mais j'ai envie de vous dire que si vous vouliez arrêter quelqu'un quand la personne n'a pas d'armes, vu le nombre qu'ils étaient, ils auraient très bien pu l'arrêter et essayer de faire le coup d'État. Non, ils l'ont exécuté, je pense qu'ils essaient d'atténuer leur peine. Mais le vrai problème, ce n'est pas de savoir si Sanon est coupable ou pas, il l'est de toute évidence, sinon il n'aurait pas été livré. Mais le plus important est de savoir quelles sont les ramifications entre Sanon et les oligarchies que nous avions citées auparavant, des oligarchies prédatrices Haïti, qui volent, qui spolient les ressources de ce pays qu'on présente comme le pays le plus pauvre, alors que c'est en réalité un pays appauvri. Et donc, le vrai fond du problème sera que la population soit dans cette démarche de se tourner contre la véritable plaie de ce pays, les véritables relais de l'impérialisme, que sont ces familles, ces oligarchies qui sucent le sang de ce pays. Donc le péché de Jovenel a été d'avoir refusé le ralliement, le péché qui lui a coûté la vie finalement. Moi je suis, ma chère Maoulé, dans une démarche de refuser, dès lors qu'il y a la mort, de sanctifier quelqu'un. Parce que je pense que c'est aussi trop facile. Je pense que politiquement, Jovenel Moïse avait fini par devenir inopérant dans sa capacité à changer le système. Et ça s'explique, comme on l'a dit auparavant, par le fait que, et je ne nie pas la potentialité de ces efforts, quand vous arrivez au pouvoir par une voie, et c'est ce que d'ailleurs disait le docteur Khalid Mohamed, quand vous arrivez au pouvoir par une voie, celui qui dirige n'est pas celui qui est assis sur le fauteuil présidentiel, c'est ceux qui vous ont fourni le fauteuil, qui payent le fauteuil, qui payent les factures, entre guillemets, j'entends par là, du système. Et ces forces-là n'acceptent pas que quand on vous mette à la tête de l'État, vous vous retourniez contre elle. C'est une mafia. On vous parle des gangs. Voilà. Voilà, compatriotes haïtiens, frères et sœurs. Et là, nous t'attendons intervention qui nous fait bas. Sous ça qui est pour vous avec question et moun kap déstabiliser Haïti. Moun kap utiliser pour déstabiliser Haïti. Système non. Joueur système non. Acteur système non. Représentant système nan. Bon bagay que Kemi Seba di, et déjà faut moi di nou la, li fon bon ale, et gen pile haïtien, gen pile compatriote haïtien, qui peut-être
pas jamais prendre un petit temps, pas jamais mettre yo disposé, disponible pour yo même gagner yo cinquième de histoire récente politique en Haïti par rapport avec administration Jovenel Moïse, par rapport avec dernière opposition, ça a été l'opposition pourri gâté senti, opposition fort là. Opposition André Michel là. Comment vraiment démarchanté par bon côté oligarque corrompu qui t'a manipulé opposition politique là, qui t'a manipulé gang yo tout nan façon pa yo tout pa, parce que pas oublier. Gen paquet massacre qui fait dans pays ya. Et moi même m'a dit jounen jodi an, chaque massacre ouais qui fait ouais opposition politique là courir prend le devant pour yo douser Jovenel Moïse, yo a pointé administration Jovenel Moïse du doigt. C'est en façon, c'est manière par yo indirectement pour revendiquer action oligarque corrompu yo fait ça, oligarque corrompu yo fait pour déstabiliser beaucoup plus administration Jovenel là. Parce que pas oublier moun k'ap finance a c'est li k'ap commander. Moun et ça fait journée jodi an, si nan fon bataille pour nous changer système, non si nan fon bataille contre système ça, m'pa ka comprendre comment faire pour nous aller, pour nous aller tourner nous vers même moun sa yo qui compose système nan, même moun sa yo nous constituer comme nous considérer comme mafia économique, comme oligarque corrompu yo, pour c'est yo même qui t'a venu sponsoriser, qui t'a venu faire partenariat, qui t'a venu pour yo même tout yo pas capable de gagner ralbol etc. Non, journée jodi très clairement nous même qui bataille, nous même qui décider pour nous faire bataille contre système nan. Nous même qui décidons pour nous faire bataille pour nous libérer Haïti, faut que nous cafetier exercice ça allons faire papier, râler crayon, nous commencer écrit 1 2 3 4. Ba konnen qui est dans 10 moun yo notifié, yo noter comme moun qui c'est bras système nan, comme moun qui c'est joueur système nan, comme moun qui finance système nan, mais yo là. Oligarque corrompu yo là, konze yo nan politique lan yo là. Comme on pral dire que journée jodi an on pays tant qu'au Haïti, c'est comme si c'est mauvais, c'est chance Haïti pas gain, c'est comme si odou son maman qui font paquet de petite qui te gain mauvais vente, c'est mauvais vente Haïti gain, moi pas vrai comme ça. Comme si acteur politique ça qui toujours sous scène qui toujours devant ban nan, c'est pas qu'a toujours paquet moun qu'a faire marchandage, qu'a vendre pays, qu'a porter pays à les gens plateau. Pendant installation conseil présidentiel là, et nous t'attendons Yuri La Tortue qui lui-même t'a parlé dans le micro la presse. Li dou pendant plus que 30 mois, Ariel t'a persécuté. Tendez bien, oui? Ariel t'a fait persécuter, humilier, et arrêter, etc. Je ne dis pas côté Ariel. Li paraît, je ne sais pas si Ariel là, mais côté Ariel. Ça pousse me réfléchir. Ça pousse me réfléchir parce que Ariel qui était sous pouvoir, pendant Ariel pas t'a réglé en merde là, mais Ariel tout te représenté un obstacle pour une catégorie moun sous scène politique là. Il te représenté un obstacle pour un groupe moun qui était toujours là, qui pas jamais pas là sous scène politique là. Et qui ça nous remarqué, Ariel allait, Ariel dehors et puis moun sa yo nous considérer comme cadavre politique, pas jamais cadavre. Son petit break yo t'a prendre, son petit pause yo t'a prendre et voum. Yo retourné. Qui côté yo retourné? Yo retourné sous scène politique là. Ça d'où yo vle faire bénévolat? Ça d'où yo vle venir aider sans que yo pas besoin de poste officiel? Ça d'où yo vle là sans que yo pas besoin et nommer yo etc etc. Mais au final compatriote haïtien frère chum, ou pral comprendre que nèg sa yo monsieur dame sa yo caméléon politique sa yo son question de place, son question de statut, c'est ça y a géré. Pas gen l'autre bagaille que yo vinn gérer. Gen par exemple Joseph Lambert. Bral moutre nou. Joseph Lambert avant installation, qui l'installation conseil présidentiel en fait. Installation faite le 25. Installation faite le 25 et le 24. Bral moutre nou qui côté Lambert. Ou bral saisi parce qu'on pral wè nèg pa bon ici. Non ça qui gen pour avec question politique. C'est pas capable yo ye. Et oui, c'est pas capable yo ye. Et voilà. Compatriote haïtien frère chum, mais là Joseph Lambert, tout le monde connaît. Nous il identifier animal politique là très bien. OK. Là 24
24 avant installation conseil présidentiel là Li Jacmel et nous 25 ans qui côté lié li là li Port-au-Prince. Ça veut dire que des séries de monde qui pas dormi dehors. Li fait me réfléchir, Lambert fait me réfléchir même bagarre il fait le assassinat président Jovenel Moïse. 6 juillet, 5 juillet, 6 juillet. Lambert en République Dominicaine, li Saint-Domingue. 7 juillet dans matin, il a annoncé assassinat président Jovenel Moïse. Joseph Lambert, li gèt passé en bas fil malgré yo gèt fermé frontière etc. Il passé en bas fil qui côté il gèt vini, li gèt en Haïti. Li Haïti parce que à l'époque, li était président assemblée nationale, là était président sénat, li était gèt metté dans tête, si gon président pral vin assurer intérim nan, li pa l'autre moun, li pa ka parler. Et puis s'attendait à débarquer Haïti. Donc c'est des séries de moun, là nous pensons nous fin avec yo. Le nous pensons nous retirer moun sa yo nan figi nous nous voyons non coin nous pensons nous voyons dans la poubelle de l'histoire ou pral réaliser moun sa yo yo toujours là ou pral réaliser que moun sa yo yo toujours là et c'est vrai nous wèl là avec Yuri nous wèl là avec qui est encore nous wèl avec Lambert nous wèl avec Lavalasse nous wèl avec PHTK Boline Baltazar. L'istil là bon franchement m'a demandé tête moi dans question politique en Haïti qui le véritablement peuple haïtien a camper pour comprendre nécessité qui gagne et urgence qui gagne pour faire bataille contre système. Compatriotes haïtiens frères et eh bien faut que moi dis nous dans moment là conseil présidentiel là et yo vraiment gon marché pressé qui dey. Yon simple idée ka jamais un mouvement et un mouvement ka abouti à une révolution. Compatriotes haïtiens frères et dès quelques jours, gon seul dossier, gon seul bagay kap kle on est kap fait actualité. C'est question fédéralisation pays d'Haïti. Fait Haïti tourner yon état fédéral. Côté que chaque département a grand moun tête yo, côté que chaque département a capable répondre avec responsabilité yo genyen. Responsabilité commune yo, responsabilité section communale yo pour avancement pour progrès département pour progrès pays d'Haïti. Compatriotes haïtiens frères, je me pas caché de vous. À vitesse que l'idée li a fait route li là, et bien conseil présidentiel là yo même yo gen temps sous route pour commencer notre démarche poser action côté que dou peuple haïtien payant diaspora pral commencer ouais que y a travail et yo pral travail dans intérêt yo qui ça bagay yo déjà faut moi di nous pral faire place avec pasteur Moïse qui lui-même c'est lui qui générer idée ça c'est idée ça c'est bataille li c'est cheval de bataille li et oui idée ça li si maye gros qui sauté dans mitan nèg yo parce que si réellement li abouti si réellement li atterri nèg yo monsieur dam yo ap gen bagay nan men yo tout. Compatriotes haïtiens frères et sœurs, on nous tande exactement qui ça bagay la. Monsieur lecture c'est que nous voyons comment que blanc mais pli avec un paquet de traite, un paquet de conzé continuer à craser rêve peuple là et que on mettait dans espoir qui pas jamais rêver. C'est même jamais capable de dans ça relé tonton Noël. Avec des monde capitaine tonton Noël son monde capitaine en bagay qui pas jamais venir parce que tonton Noël là il pas existé en soi. Et que si yon moun pat ka gérer pays a aller pour neuf moun. Et en général nous gen 221 ans d'indépendance que monsieur importé pour nous yon que de rappeler yon démocratie qui pas adapté à nous parce que nous gen pour nous songer que Jacques Ier qui c'est une fois encore l'empereur Jacques Dessalines qui vient pour l'indépendance qui l'a dirigé pays a une fois encore comme empereur parce que yon connaît que c'est nous besoin de stabilité politique pour pays ça capable avancer. Et bien que monsieur fait Jean yon connaît 2 ans après, il a tué l'empereur là, et que n'est pas de prince tué lui, parce que c'est pas comme ça très bien, et que c'est un monde fou, un folle qui nommé défilé, et que qui était enterré une fois encore que l'empereur a ce pont rouge. Après ça, nous venons gagner que Henri Christophe dans le Nord, nous croyons qu'il est installé, bien sûr, soit en octobre 2016, bien encore en août 2016, et qu'il y a encore qui passe, qui mourit en 2020. Nous venons gagner encore que, ensemble avec lui, nous gagnons que le royaume libéralisme de pétition est encore dans l'Ouest. Et que nous voyons que le Nord, comment le Nord a progressé, nous gagnons jusqu'à présent 8e merveille du monde, nous gagnons palais 365 potes. Et nous gagnons une fois encore que
artillerie, en termes de que tout bagaille de combat et que nous connaissons ça qui est. Mais tout sort toujours après ça, vient quoi, bois, vient quoi pouvoir, c'est dodo, mia, rien pas jamais réglé. Nous venons voir que le système présidentiel importé que nous portons pour nous, nous ne sommes pas prêts pour l'île, pas jamais capable de développement. Ça veut dire que pour nous retourner à la question que nous posons maintenant, couleuvre à neuf têtes, ça, nous ne pouvons pas garder espoir à lui-même. Parce que nous ne pouvons pas gagner quelque chose comme résultat. C'est ça que nous finissons déterminer. Vrai système de développement durable et rapide pour qu'il mette des pays ça dehors, c'est le système fédéralisme. Que chaque département comme gouverneur, l'argent fait dans le département rété dans le département pour faire développement. Au lieu que petit moyen, c'est bataille ou pas bataille pour boost d'études à l'étranger, puis elle passe misère, et bien encore, dans le campus université que nous avons fait, nous avons payé des professeurs à l'étranger pour nous faire coup pour eux. Côté que petit dernier monde qui est pauvre là, est capable de nous faire une même formation. Côté que lorsque vous avez un Nord-Est indépendant, un gouverneur sérieux qui a dirigé, vous avez un aéroport international qui a répondu aux normes internationales, qui a recevoir une fois encore que n'importe bouline que le rabier parce que nous avons un espace, nous avons un terrain pour ça. Nous avons gagné tout pétrolier, nos réserves pétrolières, nos chinorettes, nos ports en liberté. Une fois encore que vous n'avez pas besoin d'entrer les gaz, c'est Port-au-Prince pour le sortir. Ou bon décentralisation non seulement du commerce, ou bon décentralisation une fois encore que de toutes choses pour que nous dépendons de nous. Regardez depuis qu'il est, il y a quatre départements pays qui sont bloqués. Le sud, le sud-est, ni grandance, à cause de question gang. États-Unis a voué combien de milliards de dollars aide par Ukraine. L'a voué combien de milliards une fois encore que baille Israël. L'a voué encore par tout l'autre pays. Parce que le problème que nous gagnons avec un drone militaire, deux drones militaires seulement, suffit pour États-Unis de résoudre. En général, Dieu nous doit caler, je dis, pour nous connaître que anciens colons, anciens bourreaux, et n'est-ce pas, ils ont une expertise dans éliminer les gens. Parce que c'est eux qui éliminaient les Indiens qui étaient sous terre, et rêvent, ils voulaient éliminer nous pour ne pas exister encore, c'est ça la question. Seul rêve, ils voulaient mettre devant nous, et bien encore, c'est pour nous aller à l'étranger, la caillou pour bon. Côté de Chita là, moi, une femme, ça, ferme agricole de Mérande, vous regardez comment on est à l'aise, regardez que je sors dans le jardin. Et que nous avons passé, nous allons vérifier la route agricole qui a fait, nous allons vérifier contre plein, nous allons respirer bon l'air. C'est-à-dire que le pays, c'est nous pour faire, pour nous mettre tête ensemble, pour nous retirer l'ego, pour ne pas quitter le monde à perdre nous. Et qui me dit ça, je vais vous dire encore. Tout le monde qui est blanc maintenant dans le gouvernement, sont les gens qui ont grain dans nos lacailles. Les gens qui ont grain dans nos lacailles, quand les gens qui connaissent comment vous le redire, grain dans nos lacailles, pour le demander de salver. Mais de pourquoi? Et bien encore que on parle défendre pays ou il pas jamais prendre une fois encore. Je dis à peuple là de connaître sénateur, député, magistrat, pas qu'à régler rien pour eux, président, pas qu'à régler rien pour eux, CP, pas qu'à régler rien pour eux, parce que depuis toute bagaille continue de concentrer n'importe quoi, c'est corruption, c'est criminalité, c'est la domination impérialiste. Les bails là décentralisé parce que faut me dire que décentralisation dans la constitution déjà, c'est appliquer que on pas jamais appliquer, c'est ça que nous voulons. CP pas capoter. Quel résultat? À nous continuer vers la route pour nous prôner le fédéralisme et c'est le moment idéal même pour nous d'avoir installé un gouverneur dans chaque département. Et bien, comme qui fait dans le département, 80% capable de rester dans le département, 20% capable de joindre l'État fédéral pour le département qui est trop faible, qui est faible. C'est ça lié, c'est seulement ça qui est capable de nous espoir pour nous faire un développement rapide, vite, dans environ 2 ans. C'est ça la question. Pasteur, et ça fait plusieurs temps que nous avons parlé du système fédéralisme. Mais qui ça même qui empêche que nous voyons le signal là? Très bien, c'est une bonne question. On connaît que tout ça qui est bon et que l'immise est important pour le préparer et que c'est continuer pour continuer à faire peuple avoir conscience. Parce que révolution, ça, la sortie en bas, dans les derniers monde qui est pauvre là pour aller en haut. C'est-à-dire que ça nous a dit oui. Lorsque, par exemple, dans chaque département, où il y a un campus université qui gagne toute science là-dedans, quand on prend des professeurs à l'étranger, par exemple, un des professeurs a touché 40 000 dollars américains là, pour année, et bien, ou même vous payez 80 000. Et bien, vous payez 2 fois la valeur, plus encore, vous allez côté pour le rété. Laisse ça, il y a une salle qui a 60 élèves là-dedans. Par exemple, que les petits malheureux, les petits grenades, les petits tout le monde là-dedans, et bien, que y a une opportunité pour apprendre, au lieu que ces petits mounou qui ont voyé et à l'air bourse d'études. Vous comprenez tout ça? Tout ça, y a un que l'homme, par exemple, pour le Nord-Est. Parce que dans chaque département, le président Jovenel a une usine. Aspect que l'acheteur qui l'a qui installé, il va y faire chef avec lui. Et bien encore que avec comme département qui a pris le département, dans moins que dans environ 1 an, on a fait toute route qui est dans le département. Mais si on attend, c'est pas tout le monde qui vient faire le pour. Mais on a pris tant de temps, il y a un petit groupe qui a pris le pays a toujours été là. On dit que c'est le fédéralisme. D'abord,
États-Unis, côté de vivre, son pays fédéré, la Russie fédérée, l'Allemagne, le Brésil, c'est seulement ça qui est capable de mettre nous dehors. Votez président, votez sénateur, conseil présidentiel, pas pour rien pour nous. Et c'est pareil ça pour nous enseigner dans le lycée. Et tout le monde qui attend nous là, faire un message là passer. Madame de que dans chaque département, nous avons un gouverneur, et tant de bien. Ça qui est belle là, c'est que le gouverneur qui a pas nommé ou bien encore élu, l'a nommé seulement pour un an. Ça veut dire que c'est si les faits département progresser bien, la carré élu encore parce que nous besoin bagaille aller non seulement bien propre et encore que progresser rapide et puis on va voir dans 2 ans mais pays d'Haïti parlons l'autre bagaille département ça fait compétition avec département ça et puis n'a développé on va regarder depuis qu'il est nous pas jamais gain courant dans l'Ouest n'est pas 2-3 ans pas jamais gain courant parce que même barrage que n'a fait quand on a cherché l'eau il y a pas courant tout nous avons pile soleil nous avons un système solaire qui a pas courant et puis quand toute bagaille ça impossible. Parce que depuis l'argent de Port-au-Prince, il va retourner encore dans la province de corruption. Ambassade américaine, Canada, il y a toutes félicités, installation et 9 mois blancs. Qui attend tout bien? Est-ce que vous pensez que 9 mois blancs ont résolu le problème de sécurité et la vie chère? Je pense que depuis que vous dit, ambassade américaine, ambassade Canada, ambassade de la France, félicité pour que vous avez fait. C'est vous qui mettez nous dans la situation. Tout ça, vous félicité pour mettre des crêpes pour lui que le pape j'aime bon. Ça l'est clair, nous connaissons parce que nous disons déjà ce sont des anciens colons qui voulaient non seulement que nous restions une fois comme esclaves, mais encore que nous voulaient éliminer nous, gens qui ont été éliminés, indiens, parce qu'ils ont une qualité dans ça, une qualité criminelle, ils ont éliminé les nations, nous peuvent tout ensemble, et c'est rêve ça qui est pour nous. Nous disons qu'on a arrangé nous pour nous faire passer. Et voilà, nous attendons Pasteur Moïse qui lui-même lui a porté message pour le pays, il a porté message pour 10 départements. Donc, kounye a, c'est moun ki conscient, yo moun ki conséquent, yo ki konnen réellement ki sa yo vle. Parce que parler de fédéralisation et Haïti avant tout, nous pas rani que leve nous décider faire le comme ça nous-mêmes, comme si chaque département décide et directeur DGIA yo décide comme yo pas voyer le Port-au-Prince, yo pas voyer comme douane yo collecter, yo pas voyer au Port-au-Prince etc. Pour ça arriver faire premier bagaille faut que l'inscrit dans cadre constitutionnel. Faut que constitution dit Haïti son état fédéral lié. Nous fédérer pays. Deuxième démarche, faut gagner Haïti à colonne vertébrale. Faut gagner Haïti à colonne vertébrale parce que s'il pas dans constitution, on y a son bagage gros pour nous pas le faire. Et faut moun sa yo qui dans tête institution dans chaque département yo faut que ta konnen et comprendre nécessité qui gagne pour faire bataille là pour pays yo faut que c'est pas ta des vendus des achetés faut que c'est pas ta moun qui bénéficie poste là parce que c'est tes amis c'est tes job à côté on comprend faut que c'est moun réellement faut que son bagage gros pour être à tous les coups font révolution pour lui à tous les coups son révolution pour lui et c'est ça que fait journée aujourd'hui. Incontournablement, changement haïtien faut qu'il passe pour une révolution. Changement haïtien faut qu'il passe par des mouns qui conscient, des haïtiens qui conscient, des haïtiens qui veulent voir l'autre Haïti, des haïtiens qui bataille pour l'autre Haïti. Qui ça bagaille là? Journée jodi on va montrer nous possibilité pour nous gagner un Haïti qui fonctionne tout bon. Possibilité pour nous gagner en Haïti, côté que oui, nous n'avons qu'à vivre là-dedans, en Haïti autosuffisant, en pays autosuffisant. Nous n'avons pas pour nous envier République Dominicaine, rien. Nous n'avons pas pour nous envier États-Unis, rien. Nous n'avons pas pour nous envier les Canadiens, rien. Parce que nous avons un pays, nous construisons, nous avons un pays, nous gourmets pour nous construire. Compatriotes haïtiens, frères et sœurs, là, nous faisons liberté. Vous avez gardé l'en message. Et vous regardez les gens dans la belle, vous regardez l'image, vous regardez un paquet de terre qui lâche, c'est un paquet de rage. Et Fort Liberté, pour quantité et pour quantité site historique qui là, pour quantité fort yon construit là, pour quantité bagaille li gagne pour l'offrir en termes de tourisme. Pour quantité bagaille li gagne pour ta offrir pour l'autre moun ta vinn visiter pour l'autre moun ta vinn contempler ça Haïti ça jan cette nou yo te fait et rive faire l'argent avec pour aider dans développement pays an et bien moun pa bo ici dirijan pa bo ici autorité pa bo ici yo préférer quitter yo gaspiller yo préférer quitter yo là pour yo comprendre yo là yo gaspiller etc. Gade, n'ap gade ça là. N'ap gade force ça. Compatriotes haïtiens frères,
si on bien gardé li collé avec la mer et objectif force il a leurs ancêtres nous ont mettel non l'idée pour contrôler la mer si une invasion qu'a fait si français yo a vinn attaquer nous pour yo gete préparé pour yo défendre territoire là mais journée jodiyan ou gon monument comme ça qui là nous préférer quitter le tomber en dégraba nous préférer quitter le finir délabré net nous pas faire rien avec au moins nous t'a dit ti moso l'histoire ça ti bout l'histoire ça ti moun yo a son jon bagage génération k'ap vini derrière yo a son jon bagage c'est comme si même nèg za ou ki se autorité en dedans pays yo a fon jan pour nous oublier l'histoire nous yo a fon jan pour nous oublier passer nous comme peuple. Eh bien, compatriotes haïtiens, frères, je veux que je nous c'est là, non, même fois liberté ça. En 2012, tu as gagné un projet. Regardez, belle lambe. C'est une opportunité pour haïtiens qui sont dans la diaspora, tu as vu là, pour dire, tu as investir. Oui, compatriotes haïtiens, frères, je veux faire petit plage privé là, oui. Pour lever le figu pays d'Haïti, oui. En 2012, ça nous connecte pas. Tu as gagné un projet pour te faire, et sous Martelly, sous administration Martelly, la motte là. Pour yon te mette kampe yon port la, yon tap kal construit yon port. Eh bien, Haïtien frères, comme République Dominicaine qui se principal concurrent nous, comme yon te wè si nan fò liberté, nan bè de fò liberté à la, te gen yon port, li pa tap bon pou yon, li pa tap profitable avec yon, même parce que nous gen pa karakol la, eh bien, pa karakol nous gen yon, c'est Dominicain, c'est la kayo, et yo fè conteneur yo al mette sous bateau pour al bote yo pralé a. Et bien directement Haïti t'a pral faire comme ça. Yo fè tout ça yo konnen utiliser service lobby, utiliser lobby yo, fè propagande, mette gros l'argent à terre, mette gros l'argent sous table et pour pral tande baou. Administration Martelly yo vini avec yo seul dossier là, yo dou la bon espèce de lézard qui en voie de disparition. C'est seulement Haïti. C'est seulement Haïti qui arrive à jouer un petit lézaza, qui arrive à jouer un petit mabouya, ça, un petit zandolite, ça. Eh bien, yo pa ka construire port. Yo pa ka construire port, yo pa ka faire bagay ça, nan la mer, nan bea, li pa favorable, nan detui espèce. Nan detui, et République Dominicaine continue pour avantage. Tout de suite après Martelly te campé projet, ya, eh bien, qui s'est passé? Qui s'est arrivé? M'bral dit nous, oui. Martelly était allé en République Dominicaine. Yo te remettre un petit plaque honneur et mérite, oui, comme bon président. Comme moun kap aide Haïti progresser, kap aide Haïti aller de l'avant. Parce que t'es tellement fait travail nèg yo bien. Ou ap gade en ville tant qu'on fait liberté. M'songe et dernièrement m'te passé entrevue en pour nous. Kote que ispo déclaré fait liberté, c'est ville qui pi propre. C'est ville qui puis propre et propre ville là propre là c'est pas autorité qui fait ville là propre c'est pas magistrat qui fait ville là propre s'il vous plaît c'est pas ni magistrat c'est pas ni ministère intérieur c'est pas ni autorité dans ville là c'est chaque citoyen qui vit dans commune qui comprend l'importance pour yo propre ville yo yo mettez tête ensemble yo fait solidarité tradition pas disparaître dans votre liberté l'on lever les matins ou baler devant votre caillou ou baler ville on baler corridor baler couloir c'est ça que faut ouais faut liberté rester comme ça li rete une nan plus belle ville qui gagne journée jodi an la loi parler de Haïti loi parler de propreté loi parler de questions et salubrité. Mais l'on vire non pas qu'être l'autre ville voisine, notre compatriote Haïtien frère Chum. C'est Fatra. 17 rote. Ou ap passe là, bon palais. C'est Fatra qui envahit presque. Fatra presque prend palais. Bon palais à lui même depuis 12 janvier, le tête en bas et sous Fatra lié. C'est sous Fatra lié. Donc, je ne dis, on nous saisit l'opportunité qui offre à nous-mêmes. On nous saisit l'opportunité qui offre à nous-mêmes, amis qui dans la diaspora. Faut liberté journée jodi an la gen possibilité pour investir gen possibilité ou même qui vle vini ou même qui vle vin prendre connaissance de ville là etc. Dans département nord-est c'est l'allié ou pas pral rentrer dans Port-au-Prince ou pas pral passer et la Tibonite etc. C'est là dans nord-est yé. Et nous wè ki bataille moun nord-est a mené pour ville yo nous wè ki bataille moun nord-est a mené pour département yo nous wè ki bataille moun nord-est a mené pour relancer production et national là
gen espoir pour Haïti, espoir pas fini. Compatriotes haïtiens frères chums, eh bien, plan yo gen pour yo déstabiliser Haïti. Plan yo gen pour yo faire nous perdre espoir, pour nous mettre dans tête nous tout bagay fini, n'a bay vague, n'a bay les gen. Nous connaît. Et plan ça li tellement bien monté compatriotes haïtiens frères chums. C'est chaque jour qu'il y a des historiens, c'est chaque jour qu'il y a des haïtiens qui ont dénoncé. Et professeur Michel Soukayon le font encore. Il remette sous table, il remette sous tapis. Influence de ces idées acteurs qui ont joué aujourd'hui dans la crise, dans ce qui a passé dans le pays d'Haïti. Compatriotes haïtiens, frères et en nous tendant avec mon intervention, professeur Michel Soukayon. D'abord, femme, dis-nous que, de quel que soit, solution qui pour ta venir, faut nous éviter une hypocrisie. Parce que c'est même mot, même expression qui cachait des intérêts différents. Nous-mêmes, les Haïtiens nous disent nous voulons solution haïtienne. C'est ça, monsieur, dame, monsieur, dit là. Nous réunissons toutes les propositions que nous pensons qui sont bonnes pour Haïti et pour le peuple haïtien. Mais international, là, lui-même, là, le doux, force haïtien qui pose une solution à un problème mieux. Son jouet hypocrite, les réfugiés des membres de phrase ça, pour le cacher culpabilité. Oui, c'est vrai qu'il y a des haïtiens qui sont coupables dans ce qui s'est passé là, mais Haïti n'a pas fait ça. Toutes les âmes qui sortent, qui rentrent en Haïti, c'est les États-Unis qui sont sortis. Ils ont passé par la République dominicaine. Ils passaient par le contrebande, ils passaient par des ports, ils passaient par des ports de contrebande sur la côte. Est-ce que l'État haïtien, même quand il a vu nommer des gens qui voulaient changer, qui voulaient travailler dans la société des peuples haïtiens, est-ce qu'il y a moyen d'en mêler pour bloquer flots à ça? Non, il n'y a pas gagné. Est-ce qu'il y a moyen d'en mêler pour bloquer flots trafic cocaïne qui traverse Haïti? Non, il n'y a pas gagné. Est-ce que le moyen en mêle pour bloquer pratiques mafieuses de trafic de timoun, de trafic d'organes? Non, il n'y a pas gagné. Ce qu'a fait en Haïti, là, son crime transnational que lié. Et communauté internationale, là, principalement les États-Unis, ont forte part de culpabilité dans ce qu'a fait. Donc, nous pas capables seulement du point de vue philosophique, idéologique, dit oui, force solution, c'est nous proposer, nous connaissons bon pour nous, c'est vrai. Mais qui moyen que nous gagnons, Jean l'État haïtien, ça fait ça là, Jean moyen économique, ça fait ça là, pour nous faire face à toute ça nous faut dit là, à crime transnational ça. Il faut que nous joignions d'une manière ou d'une autre. D'une part, des mondes qui sont d'accord pour défendre l'intérêt Haïti, mais il faut que nous contraignions vrais coupables à tout disciple local. Il faut que nous contraignions les États-Unis pour bloquer le trafic. Il faut que nous contraignions la GLTC et sous papi depuis longtemps pour réellement combattre le trafic de drogue. Là. Pas contrôler le, mais combattre. Il faut qu'il réellement participe pour les suspendre avec trafic timoun, trafic organe, à toute question ça qu'a réglé là. En un mot, expression en belle, mais les cas cachés vont hypocrisie. Ça veut dire, je finis mettre dans mes rats, je fais comme dans 100 peuples haïtiens, dans 20 âmes, dans passer cocaïne, dans faire trafic timoun, dans faire trafic organe. Nous ne connaissons pas qu'à résoudre le problème. Et puis, je dis, pas un problème. J'ai une solution entre haïtiens, dégagez-nous. Mais elle compte très bien qu'au fond, ou pas capable. Non seulement qu'on est entouré de puissance ennemie, et en même temps, tout puissance ennemie, ça a eu, ils ont chargé des complices, ils ont chargé des traîtres à l'intérieur. En un mot, ils ont bel devant, chercher une solution à l'haïtien, non? Et puis, ils connaissent. Le ça, ou pas faire chita sous table là, pour participer dans résoudre le problème là, parce que là, la base problème là, fortement tout. Et puis, ou bal la partie belle, et puis, jouette hypocrite là, jouette cynique là,
jouer criminel là, les continuer. Naturellement, le ça a des monde qui pensait, bon, eh bien, si c'est comme ça, nous pourrons faire d'autres alliances sur le plan international. Mais il ne faut pas battre nous mentir. Politique sont un rapport de force que lié. Et dans le rapport de force là, de ce point de vue là, ou pour qu'on opposition l'État dominicain, qui à un certain moment arrivé, non point côté les Taïwan dehors, lui fait alliance avec la Chine. Ou pour qu'on arrive dans un point pour faire politique ça, parce que l'État, ça, qu'on gagne dans mon journée, je dis à là, son État qui presque pas existé. Donc, là, on a pris en question ça. Là, on a fait une solution haïtienne. Fochita a tête reposée pour prendre de façon très pragmatique. Parce que faut fixer, ou même par emploi et mon responsabilité, il faut fixer culpabilité. Parce qu'il est coupable dans le crime. Mon cap inondé Haïti avec ZAM, avec munitions, avec balles, il étranger, il haïtien là-dedans. Mon sa yo, faut le bloquer d'une manière ou d'une autre. Et voilà. Compatriotes haïtiens, frères chums, bataille pays d'Haïti, bataille peuple haïtien, les mener contre le système, non? Nous toujours aimons dire, c'est pas une bataille qui est facile. Elle n'est pas easy. Elle n'est pas easy parce que l'homme gardé, moun wap goumen kont yo, se prop moun la kayo ki ouvri pot ki di yo rentre vin atake yo, rentre vin detui yo. Eh bien, avant rive sou moun ki deyò yo, faudrait-il que ou pren responsabilité ou pour éliminer trèt national yo. Trèt sa yo ki an dan, trèt sa yo ki souterrain, trèt sa yo ki sou même tabavò, trèt sa yo kap kriye mizè piti tout yo. Trèt sa yo kap kriye le bandi touye, assassiné, violé, kidnappé piti tout, mari ou fami ou. Eh bien, faudrait-il que nous prenions responsabilité nous pour nous gérer problème nous gagner avec konze yo avant. Nations Unies, États-Unis, Canada, yo sanctionnon paquet nèg. Et Yuri la tortue campé pour le dou, c'est comme si c'est Ariel qui te fait sanctionner l'innocent son saint. Même bagaille là pour Joseph Lambert, même bagaille là pour Victor Profane, yo dou c'est politique qu'a fait, c'est le jeu de la politique. Mais qu'en est-il le ce chef gang qui dit c'est tel politicien qui te pote zam pour nous, c'est tel politicien, c'est tel monde dans secteur privé qui kon finance nous, pour qui ça pas un commissaire gouvernement, pour qui ça pas un juge d'instruction qui dit yo a pour enquête, yo a enquêter, yo a poursuivre, parce que système nan corrompu nan zo. Même nan bible yo dit la justice élève une nation. Sou pa gen justice dans pays ou qui pour montrer gagner la part des choses qui fait, qui pour montrer que yo a ba justice à qui justice est due, pour yo montrer que yo a ba justice à moun qui victime yo réellement, eh bien comment pays a pral fonctionner. Bon nèg lan qui a cravate, bandi a cravate lan, la fait tout crime yo tout impunité. Kounye a comment on pral di ou pral rive sou bandi sa yo? Comment journée jodi a ou pral di ou pral combattre sécurité an? Le véritable complice, le vrai complice yo, yo nan l'état, yo nan secteur privé, yo nan international, la essaye yo kap pren décision encore. Comment nous pral di nan résoudre problème nan? Compatriotes haïtiens frères sœurs, en dépit de toute situation nan vie journée jodi an, toujours remè di l'espoir pas fini. Espoir pas fini et nan dernier jour sa yo la paysan yo. Frères paysans nous yo, grands-parents nous yo, qui passent toute vie dans travail tè, qui fait éducation nous dans travail tè, dans fouiller patate, dans fouiller yam. Eh bien yo montrer nous quel que soit côté yo et depuis yo attaché à bout terre, eh bien le possible pour lever des filles. Pour ça yo mettez sous de nous pour nous dépendre de yo même, dépendre de importation du riz, dépendre de importation mari, dépendre de importation paquet de produit à venir sur marché haïtien avec lui. Eh bien, quel espoir paysan plein ba mariba ou yo journée jodi an là, yo fier. Yo fier ça ka fouye troisième canal, a fouye troisième canal. Ça nan deuxième canal nan malfaiti nan deuxième canal. Route agricole ka fait compatriote haïtien frèsem. Et gen an pil zanmi ki te perdu de vue pit
Il y a des gens qui pas jamais pensé que Haïti nous était toujours non exporté pit alvan dans le pays. Eh bien oui. Longtemps était qu'on doit Haïti être pays essentiellement agricole parce que nous était qu'on fait café et cacao, coton, nous était qu'on fait vétiver quantité voyal vendre dans le pays. Eh bien oui, journée aujourd'hui là, des pit qui toujours fait en Haïti là dans le département nord de sang. Pit là yo toujours fait. Comment yo fait? Comment yo prend produit, yo prend pit là. Ou pral gen tout détail yo. Bonne nouvelle pour paysan yo nan Omaribao ou ta agricole a fait. Ou pral gagner tout détail yo là compatriote haïtien et frèchèm, on nous suivre avec moi nan vidéo si là. On va marquer jodi a nous avec directeur et responsable FEMSA pour que yo planté et pit. Ben hier nous devons visite, aujourd'hui là nous pas gen tout détail de gros FEMSA. Bon, on a fait gros salutations à tout le monde qui va regarder la vidéo. Et nous voulons vous remercier parce que le travail positif que vous avez fait dans la communauté. Ok, nous nous fermons là, hier nous avons visité, nous avons quelques plusieurs sky. Mais aujourd'hui là, nous c'est un autre bagage, plus de détails. Ben nous, plus de détails, non, déjà. Bon, tant que les gens qui sont capables de remarquer dans la ferme, nous sommes fermes que nous gagnons presque 75 hectares de terre qui ont la versée. Donc là nous dans le moment que nous avons fait une côte, nous avons toujours difficile par rapport à l'activité qui gagne, le déplacement qui gagne. Donc selon la zone de travail là, donc il varie, donc c'est ça qu'il faut que parfois, pour la rapidité des gens que monsieur a travaillé là, il varie. Donc aujourd'hui, on est capable de remarquer si on l'a travaillé. Ok, maintenant parlez avec nous. Parlons de plantation César. Là, nous visiter plusieurs côtés. Nous avons un jardin dans César. Par contre, nous avons dépassé par le bail au café en deux César. Bon, je pense que c'est un mythe parce que par rapport à la croissance César, la plantation même en général, si nous sommes capables de remarquer, nous avons une épine là-dedans qui est considérée comme fleur du pit là, en bon créole. Mais le langage sanskrit qui c'est César. Maintenant, cisal là, c'est feuille là qui fouille. C'est cisal ou bien cisal? Cisal. Cisal. Donc, non vulgaire, c'est pit. Donc, c'est tout pour nous connaître. Donc, c'est un plan de côté que dans tant longtemps ou autrefois, Haïti était considéré comme un gros exportateur de pit et cisal dans le monde. Donc, c'est une raison bien en optique qui fait que par rapport à la zone Paulette Fariton, qui c'est une zone semi-aride, donc il y a une culture qui est appropriée que le monde a fait sans problème, sans risque, ces cisales-là, parce que lui adapte à ces sécheresse-là qui est dans la zone. Ok, docteur, nous, et puis dis-nous comme sur combien d'hectares nous sommes là. Donc, l'entreprise la relève North Coast Development Corporation. Nous, même, c'est Kitson Vierre et Agronome. Et nous, sous 75 hectares. Ou ka fè kòd avèk, ou ka fè fisèl, ou ka fè sak, ou ka fè prodwi atizanal. Par exemple, gen yon kompanyi ki itilize pou yo fè sak, gen yon pou fè valiz, gen yon pou fè souliye, gen yon pou fè toal. Ok. Gen pil moun ki dépase bay sa te disparèt nan peyi a, ou bien nan des sur tout, parce que dans les gon epòk on te produit ça pile nan des là. Mais ou même depuis qu'il ou rebalance avec ou bien combien ton gain la donne? Généralement, c'est son production que nous essayons ou dans qui mesure nous capable de vulgariser. Parce que il y a en pile utilité pour le département nord-est là, qui sont zones semi-arides, que en pile fois nous avons des difficultés pour faire irrigation. Et si ça là, il est très très approprié par rapport à climat zone. C'est pas pour sans raison qui fait que dans tant longtemps plantation dauphin autrefois il était répandu sur plus que 30 000 hectares. OK, non moi on a parlé là. Mais dans moment on a parlé là nous-mêmes en tant que investisseurs, nous gagnons environ 10 ans depuis n'a
essayer ouais dans qui mesure nous capable vulgariser culture césale là dans zone. Après-midi là et nous porter une bonne nouvelle pour nous. Et bien bonne nouvelle là c'est qui s'allier exactement là nous retrouver nous dans pleine Romari Bawa et bien nous connaît zone si là c'est une zone qui pral rouser par rapport de canal d'Inté qui a fait dans rivière Massacre. Et bien bonne nouvelle là c'est qui s'allier mesdames messieurs et bien n'a suivre avec nous là déjà comment que et bien et staff technique et ingénieur accompagné des comités canal KPK qui a fait dans rivière et Massacre. Et bien mettez tête ensemble pour capable juger tout un moyen nécessaire pour capable et bien faire route agricole et parce que les que yo même yo a pas gagné nécessité pour capable exporter et bien plante qui gagne pour qui fait et dans plein et parce que gagne en pile terre mesdames messieurs n'était capable dit et qui a gâté et dans zone Romari Bawa avec zone Bamari Bawa et bien et pour raison si là yo j'ai nécessaire les que yo même yo fin fait plante si là il faut que yo gagne route pour véhicule capable passer à l'aise et bien capable exporter plante ça au plus capable à run et bien et dans marché à mesdames messieurs et bien nous-mêmes nous présents dans espace là pour nous capable et faire nous vivre et bien comme ça lui-même puisque nous dit nous c'est DG Absorio nous là pour nous capable informer pour nous faire vivre de tout détail de toute information qui a passé à travers et bien canal d'unité canal d'irrigation qui a fait dans rivière Massacre les amis internautes nous restez connectés restez branchés ensemble avec nous pour nous faire vivre et bien comment ça lui-même lié mesdames messieurs pas oublier que nous dit nous retrouver nous et bien en bas en pleine Romari Bawa pour nous faire vivre bien déjà comment continuité route agricole même yo a fait et bien pour que travail même capable avancer pour que pas gain aucune difficulté les que et bien paysans en pleine a planté et bien plusieurs hectares de terre et du riz les qui a planté plusieurs hectares de terre et bien maïs les qui ont besoin exporter produits ça pour alvan et sous marché pour pas gain aucune difficulté et mesdames messieurs et bien nous même nous présents dans l'espace là pour faire le vivre comment ça lui même lié puisque nous dit nous c'est Géo Axorio restez connectés restez branchés avec nous pour faire vivre les détails comment ça lui même lié amis internautes. Voilà, et c'est là, n'a tout mettre en bout dans l'émission pour aujourd'hui. On espère que vous êtes vraiment satisfait et de avancer nous qu'a fait là dans question agriculture dans pays. Écoute, mais en pile chaille pas lou que n'a fait dans haïtien pour nous aider relancer production nationale là. Et vraiment content, moi content le moi paysan yo et yo gen espoir toujours le moi gen travail gen démarche qu'a fait pour accompagner paysan nou yo pour accompagner agriculteur nou yo ça fait en pile plaisir et compatriote Haïtien Fresh Chum c'est là n'a mette en bout dans l'émission pour aujourd'hui c'est un véritable plaisir pour te partager moment ça ensemble restez connecté à channel là pour reste programmation rendez-vous à le casser dans l'autre vidéo merci tout le monde à très bientôt. Mes amis, attendez ça. Ou c'est haïtien, ou remet pays, ou et bien on agit. Mon éditorial. Entre désespoir, de machination politique et les non-dits, mon éditorial. Mon éditorial. Tout. Mon éditorial. Émission mon éditorial, si je passe analyse, débat contradictoire sur tout détail sociopolitique qui domine le pays d'Haïti. Mon éditorial. Sauf si le dit pour y faire vendredi, depuis fait 2 heures, de chez Chanel Paul là, pour qu'à bien informé avec Yannick. Mon éditorial. Nous pourrons faire des bases.